Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. C'est un moment excitant. C'est un 2021 assez rempli. Je suis en train de marcher dans l'intégralité de l'espace que j'ai maintenant pour faire mon atelier. Et vous remarquez qu'il y a vraiment beaucoup de stock. Hein. Ça a pris de l'ampleur. Quand on pense que les 6 premiers mois que j'avais habité ici, j'ai pas du tout utilisé l'atelier, et bien là, je le mets à profit. Là. Un peu trop. Alors, c'est vraiment été un très bon concours de circonstances que je puisse maintenant doubler d'espace. Mais faut vraiment que j'arrange des trucs parce que là, il y en a trop. Et je vais sûrement faire plusieurs petits... Je ne pense pas tout régler ça aujourd'hui. C'est long. C'est long installer un atelier. Mais je vais essayer de vous faire le plus de petits time-lapse possible sur les avancées que je vais faire petit à petit pour l'amélioration de l'atelier. Parce que je veux vraiment le mettre à ma main. Et ça prend beaucoup de réflexion. Ces dernières semaines, là, je fais juste me coucher le soir en me disant « Ok, je pourrais mettre mes tables demain, je pourrais m'arranger ça, je pourrais mettre mes outils comme ça. » Comme là, la première truc que je veux faire, c'est vraiment mettre scie à onglet, scie à ruban, perceuse à colonne, mon Rockwell, je veux tout mettre ça là. Ça fait que tout ce qui est gros rangement de matériel personnel, je veux mettre ça dans le fond là-bas pour qu'ici soit uniquement orienté travail de menuiserie. Ici, travail d'arcade. Et l'autre côté, impression. Alors, mais avant tout, il y a cette zone-là là, qui est vraiment n'importe quoi. Là. Ça a vraiment pris n'importe quelle direction. Avec des matériaux que j'ai trouvés sur la rue, là, t'sais, par exemple les tables, c'est des choses, trucs que j'ai trouvés, que quelqu'un se débarrassait, et ainsi de suite. Je vais essayer d'uniformiser ça. Ça a quand même une jolie saveur, mais c'est pas complètement optimal pour bien travailler. Alors sans plus tarder, voyons voir au moins ce que je suis capable de faire ici. Ben voilà, on y est. Qu'est-ce que vous dites de cela? Wow! Hier, je me suis dit, hey, ça fait longtemps que je me suis pas vu à la face. Je me suis rasé. On fait du ménage, à grandeur. Ah ouais, sur le cuir. Et que je suis content de ce que ça a l'air, sans blague. Là. L'atelier ici, là, comme je le disais, il a vraiment grandi depuis un an et demi, d'un peu tout croche. Puis là, c'était vraiment le temps. Je prenne genre 12 pas de recul. Puis j'ai l'impression que là, je suis 24 pas en avant, là, en ayant enfin fini ça. Ça va être vraiment nice. Il fallait vraiment que je le fasse avant de faire le prochain projet. Vous l'avez remarqué, à chaque fin de projet, je prends toujours le temps de faire un petit projet personnel. Et ça en était un gros.
Je vais m'amuser à vous faire un petit tour d'horizon, à savoir le pourquoi du comment j'ai mis quel item à quelle place. OK? Comme par exemple, tout ce qui est section ici, c'est tout ce qui est peinture, et là, c'est tout ce qui est draps et pièces que j'ai vraiment beaucoup moins besoin souvent. J'ai descendu mon coffre à outils qui était en haut parce que petit à petit, je fais la transition pour ne plus avoir d'atelier en haut. Alors, je l'ai fité ici et je me suis permis de dégarnir un peu cet établi-là, qui est essentiellement juste orienté tape, mèche. Ça, c'est juste ce qui est produit dégraissant, lubrifiant. Ça, c'est juste les produits qui fait dire que j'en ai rien à crisse. Tout ce qui est crimp. Et ici, ça va être la zone où ce que je vais faire l'essentiel de mon travail quand il va s'agir de travailler sur un playfield. Alors, c'est là que je vais replacer les pièces, que je vais nettoyer les trucs et que je vais, ça va me permettre d'avoir la rôtisserie à côté. Parce que ça me manquait d'avoir une section en L que j'avais dans mon ancien appart, dans mon ancienne maison. Alors, je voulais recréer ça et je voulais avoir un accès continuel à mes coffres. Donc, zone de pièces, zone de coffre, zone de travail. Et à l'arrière, c'est sensiblement juste zone déco. Et j'ai ramené la tête de Hat-Hat avec la Hat-Hat-Attaque. Si vous ne connaissez pas la Hat-Hat-Attaque, vu que ça fait récemment que vous êtes arrivé sur la chaîne, voilà à peu près en 2017, j'avais fait une machine de jeu custom de jeu d'arcade de Star Wars, un peu à la track and field. C'est un deux joueurs. Chacun de chaque côté doit alterner les touches pour être capable de faire monter son personnage et le premier rendu en haut, qui fait comme arriver au Hat-Hat. Tu sais, le concept de l'Empire contre-attaque, là, quand Luke, il monte dans le Hat-Hat, là, mais c'est un peu le même concept. Hello, Paula. Et j'ai installé mon système de son ici. Il me reste à plugger mon petit truc Wi-Fi, mon petit truc Bluetooth, système de son. Alors là, je vais enfin avoir une belle ambiance sono avec mes haut-parleurs. Et si vous vous demandez c'est quoi ces cônes-là, c'est des trucs qu'on avait achetés pour le mariage, là, très longtemps. Et puis on avait acheté 8 et ils étaient dans un sac et j'ai décidé de les sortir, surtout pour les tester, voir s'ils fonctionnaient encore. Puis vu qu'ils fonctionnent encore, je me dis, bah, je vais les garder. Si vous vous demandez c'est quoi cette œuvre-là, pourquoi je garde ça, c'est parce que c'est sûrement une des choses les plus ridicules que j'ai jamais vues de ma vie. J'avais pogné ça dans un village des valeurs pour 2 piastres. De voir le gars jouer du saxophone en jeans, dans l'eau, aux genoux, avec une queue de baleine à peine à 50 pieds derrière lui, je trouvais ça tellement ridicule comme montage photo que c'est le genre d'œuvre kitsch que j'adore imbiber mon atelier. Machine pachinko que j'ai ramassée là, quand même plusieurs années d'un marché aux puces aux États-Unis. Brimsfield, un des plus gros marchés aux puces aux États-Unis. C'est un quart de mille de route avec à peu près 100 mètres de large à l'intérieur des terres où ce que tu as des tables et des tables de matériel à vendre. Et j'avais réussi à trouver cette machine pachinko-là dans un état pitoyable. Et éventuellement, oui, je vais peut-être la vendre si ça vous intéresse. L'amalgame de pièces de chez Protechnique, ma super Candy Girl, que j'en reparlerai peut-être à un autre moment donné, qui arbore fièrement mon masque, mes bouchons pour les oreilles, mes lunettes et la lumière frontale. Donc, c'est mon mannequin qui supporte tout. Ça, c'est le genre de pièces qui me reste à faire le ménage. Beaucoup de pièces de système 11, de système 1. Ça va venir petit à petit, mais je suis content que ça soit résumé à un seul endroit, à la même place. Et là, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment ma rangée d'outils ici. Alors, tout ce qui est Power Tool se ramasse ici. Alors, mes étaux, regardez s'il est cute, là, il est tout petit. Éventuellement, je vais amener l'électricité ici, je vais me servir de ça. Ma scie à ruban, elle ne me sert pas beaucoup en ce moment. Je la déploierai quand j'aurai terminé éventuellement le projet Space Invaders. Mais là, pour l'instant, je la range. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est un web payphone. C'est un des premiers emplois que j'ai eu au début 2000. À Québec, ici, on avait développé un téléphone public avec un écran tactile. Ça, c'est la version 2. Moi, je travaillais sur la version 3. Il y avait un clavier, ça imprimait des fax. Je faisais des jeux touchscreen pour ça en flash en 2000, 2001, 2002. C'était la joie. Sans blague, c'était cool. C'était vraiment un super produit. Et après ça, j'ai enfin pu ranger tout mon bois ici. Alors, toutes mes retailles de bois sont là. Tout ce qui est relatif à mes écrans est ici. Alors, j'ai descendu mes écrans, j'ai mes châssis, j'ai mes bezels. Alors, tout ce qui est écran est là. Et puis, ça, il y a du matos perso. J'en ai profité pour descendre mes playfields. En arrière, il y a mes bacs de trucs personnels. Ça, c'est mon autre pile de bois que je vais éventuellement utiliser. Mais tout ça m'a permis de mettre les Sega Rally tête à tête comme ça. Ils sont sur des roulettes, c'est facile à tasser si j'ai besoin d'avoir accès. Alors, en attendant, ça flash en tabarouette. Je trouve ça très beau. Les lampes qui me restent à tester. Autre matos perso que ça fait en sorte que tout ça est rendu dans un endroit et ça ne me dérange plus.
Et ça, c'est la zone impression qui va appeler à être, à être améliorée, à grandir éventuellement, mais au moins, tout est à la même place. C'est mon tour d'horizon et je suis super content et je suis gonflé à bloc pour le projet de la Space Invaders qui devrait commencer pas plus tard que demain. Alors, au moment où vous allez voir cette capsule-là, je vais être en train de travailler sur la Space Invaders. Merci beaucoup d'être à l'écoute et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et d'ici là, ben, j'espère que le poil va me repousser.